C'est un bas-relief difficile à apercevoir d'en bas. Et pourtant, cette sculpture connue sous le nom de Truie des Juifs a fait couler beaucoup d'encre. Elle orne l'église Sainte-Marie à Wittenberg en Allemagne depuis le Moyen-Âge. Un bas-relief ouvertement antisémite qui montre un rabbin soulevant la queue d'une truie. Mais la justice allemande a estimé que le bas-relief ne portait pas atteinte à l'honneur des Juifs, car il était intégré dans un ensemble commémoratif. La sculpture seule serait insultante. Mais vu le contexte dans lequel elle a été placée par l'Église, elle a perdu ce caractère insultant. Le plaignant est cet homme, Michael Dullmann, juif d'Allemagne, totalement opposé à ce bas-relief, notamment dans cette ville, Wittenberg, berceau du protestantisme et du leader religieux Martin Luther, ouvertement antisémite. Pour justifier sa décision, la justice allemande s'appuie sur la plaque informative placée à proximité de l'édifice en 1988 et qui indique que la communauté de l'église se désolidarise du contenu du bas-relief.